Salut les amis. Alors nous voici de retour sur Sekiro Shadows Die Twice pour la suite de ce let's play. On se retrouve donc au Bouddha après le Lancier qui était juste à la forêt de bambou. On se retrouve au départ d'un chemin. On va tout de suite voir où il nous mène. Il y a déjà une patrouille ici. Il y a bien un chemin alternatif quelque part, on va pas faire le fifou dès le départ quand même. Ce serait bête de mourir au début. Bon, sur le chemin alternatif, il y en a aussi. Il est vénère, lui. Faire le fou pour faire le fou. Putain, il y a des archers. Parce que là, ça a été, mais il y a un archer qui s'est enfui. Ça veut dire qu'il risque de mettre le fil à retordre un peu plus haut. Il est passé où? Toi, viens là déjà. Vu que t'as l'air bien gros, je vais te prendre à part. Voilà, t'as tapé un peu loin là quand même. Ouf, ah, tu fais mal, effectivement. Ah, l'archer qui m'embête, je m'en doutais. Je m'en doutais qu'il viendrait m'embêter, lui. Bon, ça va, ça n'est pas si mal sorti. Alors, l'archer. On a eu des boulettes en plus. Plutôt sympa. Là. Ah. Voilà. La pec. Finalement, on est plutôt bien passé. Bon, ça brûle un peu par ici, par contre. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Voilà. Et bon, on dirait notre père là-bas. Bah oui. Il a pris cher, je crois. Alors, clé du temple caché.
La clé du temple caché dans le domaine Hirata, donnée par la chouette. Le temple secret est situé tout à l'arrière du domaine Hirata. 2. La parole du maître est absolue. Protège ton maître à tout prix. Tu dois le ramener à n'importe quel prix. Vu le nombre de fois où je suis mort, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon. Donc on a obtenu la clé du temple caché. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi elle sert, mais je pense que ça va nous servir plus tard. Du coup, par le cimetière. Bah, il aurait pu être un peu plus précis quand même. Donc, pour l'instant, il y a l'air d'y avoir que ce chemin-là, donc je suppose que c'est par là. Et un garde là-haut. Hop, en voilà déjà un en moins. Et si j'ai bien vu, en l'exécutant, il y en a encore au moins deux derrière. Ça m'étonnerait qu'il soit que deux par contre.屋敷は今頃火の海よ。ああ。抜け出してくるとしたら、この隠し洞穴に違えねえ。十蔵様の言いつけだ。ネズミ一匹逃がすんじゃないぞ。分かってるぞ。俺はもともと大っ嫌いなんだ。危なくなりゃ自分だけ逃げ出す卑怯者がよ。 Mon père m'a dit par le cimetière, il m'a pas dit par la grotte. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'autre chemin. Par contre, il y a du monde. À 3 mètres, ils n'ont rien entendu. C'est un petit peu sourd aussi. Il va faire celui avec son bouclier. Toi. Encore trois. Aucun.
viens là, toi. Voilà. Bon, du coup, comme je vois pas le cimetière, j'ai plus passé par là quand même. À mon avis, vu ce qu'ils étaient en train de se dire quand je les ai espionnés, ça peut me paraître être une bonne idée. Mais ça m'étonnerait que ce soit aussi simple. Pas les regarder plus que ça me semble bizarre quand même. Ah, de l'huile, génial. Ah, un Bouddha, ça c'est utile par contre. Sauvegarder là. Et donc la suite, ça doit être par là. Un archer, bien sûr. On a dû les faire à la chaîne dans ce jeu-là, les archers. Je sais pas ce qu'on va faire comme moi. On va mettre des archers un petit peu partout, comme ça, pour embêter le joueur. Fabriquez-moi dans une douzaine par niveau, ça ira. Bon, traître de plaisanterie. Bien sûr, il y a encore un archer. Qu'est-ce que je vous disais? Au revoir l'archer. Hop, là, viens là, toi avec ta hache. J'attaque vraiment trop d'un coup, faut que j'apprenne à parer entre deux. Ça peut être utile. Ils sont trois. Enfin, trois visibles en tout cas. Dans les trois, il y a bien un archer. Bah oui, qu'est-ce que je disais? Deux mobs surprise, dis donc. Bienvenue à la fête. Vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde. Non, effectivement, oui, il y en aura pour tout le monde. Fouiller la maison, parce que s'ils sont sortis de la maison, c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à l'intérieur, finalement. Un objet là.
Ouais, autant dire qu'il protégeait pas grand-chose, quoi. Du coup. Oh, les bouts de porcelaine, il pourrait les garder par contre. Oh, bonjour, toi. Oh, un peu mieux. Allez, quoi dans cette cour? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un mini-boss. Et bah, c'est la fête. Il va me faire un plan d'action. 6 contre 1. 7 avec le boss. J'essaie déjà d'éliminer celui-là. Il avait l'air d'avoir un bouclier. Ouais. Il y en a même un deuxième à côté. Ok. Allez, viens là, toi. Hop là. Bien sûr, il y a des archers. Sinon, ça serait pas marrant. Oui, non, là, ça va faire mal. Alors on appelle ça être pris en sandwich. J'ai connu plus agréable. Bon, on y retourne, hein, écoutez. Est-ce que je pourrais passer au-dessus des flammes pour couper à tout ça? On va voir un peu. Ah, ça passe. Pour une fois, la poudre anti-feu va servir à quelque chose. Bon, jusqu'ici, ça va. Le problème, c'est de gérer cette cour. Y a qui suit pas. Quel gros malabar il suit, on dirait pas. Voilà. Ah si, il suit. Bien sûr qu'il suit. Ça aurait été trop bon. Il faut que je fasse gaffe, gros malabar et à l'archer. Hop, l'archer il est là. Reste pas, il y a le gros derrière. Ça m'apprendra pas cibler mes cibles. Je me suis même bien. Je savais pas que j'avais du miel dans ma sacoche. De là. Essayer de les attirer dans le coin là, voir un peu. Et viens là.
reste plus qu'un et le gros. À mon avis, le défi, ça va être le gros, quoi. C'est vraiment très imposant sur ce que je peux voir où ils sont d'ici. Le gros sert mieux au milieu, apparemment. Ouais. Et l'archer, il est là. D'accord. Enfin, l'archer. Il a une torche au moins. Je sais pas s'il a un arc, mais il a au moins une torche. Et le gros s'est remis ici. Alors j'ai quoi? Deux raises, une gourde. En jouant fine, ça peut passer, quoi. Ce qu'il y a, c'est que les raises, ils ont un tendre pop entre les deux. Alors toi, j'aimerais que tu te remettes en place. Comme ça, si je peux arriver doucement dans ton dos pour déjà t'enlever une barre de vie. Ça peut être pas mal. J'aurais plus qu'une barre de vie à te faire tomber comme ça. C'est peut-être pas la plus loyale des tactiques, mais c'est la plus sûre. Ah ouais, son poison il passe à travers les murs. Enfin, je suppose que c'est du poison vu que c'est vert. Même par là, je peux pas passer. Apparemment pas. Non. Par ici, je peux pas passer. Si c'est remis en place, on va essayer de lui faire sauter une barre de vie tout de suite. Et après, on improvisera. Voilà. Ah, mais il y a quelqu'un là-bas. Je l'avais pas vu. Il y a un mec en face là. C'est un allié ou quoi lui? Bah oui. Et toi, tu viens m'aider? Ah bah oui, viens m'aider en plus. Mais pourquoi je l'ai pas vu avant? Voilà. Du saké non raffiné et une perle de chapelet. Ok. Bah écoute, merci mon brave. L'otai niwa kotaeru wa sake ni yoke
Ok, bah j'avance sans toi alors. Ah, des boulettes. Quelqu'un qui pleure. このセガワシは恐ろしきものを見た。湧き出てくるのじゃ。次、若様。若様がお屋敷の奥に。わしのせがれが、伊之助が向かったゆえ、ぶはぐれ忍びよ。念のためじゃ。お主も若様をお救いに行っておくれ。Mais je vais y aller, je vais y aller. Je suis là pour ça. Un Bouddha. Bon, sur ce, les amis, on va se laisser ici. Je pense que le couloir de droite va nous mener au boss du niveau, qui est Madame Papillon, il me semble. Donc, je préfère arrêter la vidéo là, même si elle est un peu plus courte que d'habitude, et vous faire un tuto complet sur la stratégie à adopter pour la vaincre la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée suivante quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye.